fatiguée déjà quand même. Voilà, mon petit cœur juste avant le départ, qui est un peu la tête dans le cul. Mais bon, voilà, c'est bon, là, elle est prête à partir. Elle regarde vite fait des petites vidéos sur YouTube, comme d'habitude, hein, des jeans, du maquillage et tout le bordel. Enfin, voilà, tout ce qui lui fait envie. Et dans quelques heures, on est au soleil. Voilà, c'est le matin, il est environ 6h15, donc on va partir pour la République Dominicaine. Un peu fatigué, pas dormi de la nuit, un peu excité. Hein. Je vais vous montrer un peu dehors, le temps, ce que ça donne. Et pour faire contraste entre ici et donc là-bas. Donc personnellement, je suis du département de la Loire, sur Saint-Étienne plus précisément. Je vous laisse regarder, vous allez voir ça. Toute la rue enneigée. Et on se donne directement rendez-vous sur place pour voir le temps qu'il fait. Et arrivé directement, tac à 30 degrés. Punta Cana. Punta Cana, donc derrière l'aéroport, pour prendre place dans la voiture ou dans la camionnette afin de nous rendre directement dans l'hôtel. Et il fait très très chaud, très très beau, il y a le soleil, on est bien, 29 degrés précisément, mais à mon avis là, on a atteint les 30 avec la chaleur humaine. Voilà. C'était beau au début, tellement ça a pris par terre. Attends, là, ici, là. Ah, il y a des poissons dedans. C'est trop beau. Il y a des boutiques. Là, pour ton père, regarde, je prends ça. Voilà, tac. Ouah, c'est beau, ça. Dis-moi ce que tu veux que je prenne. C'est trop bien que t'as vu il y a un peu de soir, on va aller boire un verre d'abord, on va.
Et la chambre avec deux lits doubles.
et notre petite terrasse. Voilà la chambre. Et la petite terrasse. Donc avec le grand soleil. En ce qui concerne la température, il fait très chaud de bon matin. Il doit être environ 9h. Il fait très 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 chaud. Juste pour vous montrer, les noix de coco. Regardez ici, petite noix de coco. Comme dans les jeux de survie, au moins je sais qu'il y aura des noix de coco. Lequel, si vous voulez. Ah oui, il y en a plein. Oui. Lui. Tu vas m'en chercher une. Oui. Alors on va dans un des... sous un des palmiers où il y a plein de noix de coco. Tac. On va essayer de se mettre dessous, de voir correctement. Elle veut que ça me tombe dessus. Voilà, les petites noix de coco. Voilà les noix de coco sous un autre, sous une autre vision. Donc il y en a des plus petites là, ici, vous voyez. Et là en fait ce que je vais vous montrer c'est celles-ci, les grosses qui sont tenues seulement par une petite tige. Et comme dit ma mère, normalement les hommes montent à l'arbre. Ils montent à l'arbre avec rien du tout, pieds nus, parce qu'ils ont l'habitude, ils viennent avec une machette, ils viennent casser la petite branche en question, qui tient l'ensemble des noix de coco, afin que celle-ci tombe. Et après, bon, quand il y a des touristes, comme j'ai pu passer l'autre jour, il y avait une noix de coco qui était par terre, il me l'a pu me la découper, et j'ai pu boire le jus de coco qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'était vraiment excellent. Bon, à mon avis, il n'y a pas trop à en boire, tellement que c'est riche. Mais c'est super bon.
Et puis rien à voir avec les noix de coco qu'on trouve en France, regardez, il n'y a pas le... Elles sont pas séchées en fait, là, vous voyez. Je trouve qu'avec les voilà, l'église, des magasins. Le chemin donc pour aller aux différentes chambres, restaurants, etc. de l'hôtel, d'autres magasins. Et là, c'est la réception de l'hôtel. On continue avec ma petite femme qui marche droit devant. Si elle sait qu'elle est filmée, elle va pas aimer. Hop. Faut que je demande les droits d'auteur au moment de faire le montage, parce que sinon je vais le payer cher. Des petits coins-coins. Je le prends à mon cœur. Ben ouais, moi aussi, avec mon portable. Mais tu l'auras en vidéo aussi, hein? Même en République dominicaine, on trouve
des restaurants asiatiques au sein de l'hôtel. Ça, c'est pour toi, Mehdi. Et si tu savais ce qu'il y avait à manger à l'intérieur, tu serais comme un dingue. Enfin, je te raconterai ça, j'irai probablement demain ou après-demain. Et à côté, El Sombrero Mexicain. Mexicano. Mexicain, chinois. Pas plus asiat, hein, parce qu'il y a des spécialités un peu plus jap et d'autres chinoises. Voilà, pour le papa Mallory. Bon, j'ai essayé de la prendre. Trop lourde, trop grosse. Donc je pourrais pas la ramener. Ta-ta-da! Café, tabaco, run, gift shop. Café, tabac, rhum, boutique, cadeau. Pas grand chose.